Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va nickel les frérots. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais vous présenter le nouveau bus de combat de Iron Man, parce que depuis aujourd'hui il y a un nouveau bus sur Fortnite et je vais vous présenter maintenant tout de suite. C'est parti, let's go! Alors regardez-moi cet écran de chargement, on peut voir le bus de combat juste à gauche. Donc mémorisez bien le bus de combat, on va voir les changements tout de suite, c'est parti. Et franchement, elle est vraiment trop badass cet écran de chargement avec tornade. What the fuck, je savais même pas que je l'avais, franchement elle est trop classe. Bon allez, c'est parti, chargement. Je suis trop impatient de voir ça. Bon, je sais que le bus de combat il est. Il est où? Il est où? Quoi? What? Pas de bus de... Le bus de combat il est pas sur la plateforme ou quoi? Voilà. Intéressant. Bon, il change pas vraiment de ouf. Il y a des... Enfin, il y a des trucs en métal, en rouge, qui ont été rajoutés. Les pneus ont été changés. J'adore le petit générateur en plein milieu du bus. Mais ce que j'aurais kiffé de ouf, les mecs, c'est qu'ils m'enlèvent ce putain de ballon. Franchement, Iron Man n'a pas besoin de ballon, gros. Le générateur qu'il y a là, en plein milieu du bus... Eh ben, il fait maintenir le bus en l'air, c'est tout. Franchement, ça aurait pas été badass, ça. Sans le ballon, juste le bus de combat en apesanteur. Franchement, je pense que ça aurait été trop insane. Bah, après, il est pas mal. Mais vous savez quoi, les potos? Je suis sûr, j'aurai même ma main à couper, que genre dans une semaine, deux semaines, trois semaines, je sais pas, tu vois. Je pense, hein. Aucune information officielle. Mais je pense que c'est le début du changement de la map. Je pense que la map va évoluer dans le sens où Stark Industries, vous voyez un peu les bâtiments et tout ça, bah, je pense qu'il y a moyen qu'ils améliorent la map en changeant les bâtiments, en mettant des améliorations. Après, peut-être qu'ils vont pas le faire, hein. Mais ce serait quand même stylé qu'ils nous améliorent, enfin qu'ils nous changent un peu le décor de la map, rien que pour la fin de cette saison, quoi, tu vois. Et ben, qu'ils nous mettent un peu un style Avengers, Iron Man, Tony Stark, tu vois. Ça serait pas cool ça? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Après, je pense que c'est faisable, mais peut-être ça va vous leur demander beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et tout. Mais je sais pas moi, qui nous change une ville ou deux quoi, tu vois. Ouais, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, j'ai kiffé à la faire, donc j'espère que vous aussi vous avez kiffé à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Les Crypto Wolverine, let's go! Et je vous souhaite à tous un très bon samedi, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo mec. Et ciao! Peace!